Salut les amis, c'est Super Mix Info pour une nouvelle vidéo. C'est la deuxième fois que je filme parce que j'ai eu un problème, j'ai quitté l'application caméra et c'est coupé. Bref, c'est pour faire une petite vidéo que je suis pas très... Je fais moins de vidéos carrément parce que je suis en terminale bac pro gestion administration et que 2 semaines après les vacances, oui, je fais le bac blanc et ça me stresse un peu beaucoup. Plus les oraux au mois de mai d'anglais et espagnol. Alors, l'anglais, je sais pas si ça va passer. Par l'espagnol, c'est mal barré. Je sais que rien, je vais galérer. Et il y a mon poster Britney qui se pète la gueule. Il s'est pété la gueule. On adore. Voilà. Et je fais moins de vidéos, mais je fais les best-of de TikTok, mais à cause des droits d'auteur, ben, je sais pas, ça paraît plus du tout dans ma chaîne. Mais moi, je comprends, ok, pas les droits d'auteur, je suis d'accord, mais on... qui bloque pas la vie... Tais-toi l'ordi. Qui bloque pas la vidéo, mais au moins qui met des pubs, publicité, hein, ça, au moins, ça ne bloquera pas la vidéo, en plus, ça fait un peu... de pub pour la musique. Après, il y a des musiques que j'écoute pas vraiment, mais grâce à TikTok, j'écoute. Un vrai miracle. Bref, je sais pas. Je sais, j'ai les cheveux courts maintenant, mais mes cheveux sont poussés. Vous avez vu ça peut-être sur TikTok. J'ai expliqué la raison pourquoi je me suis coupé les cheveux. Mais je vais peut-être, pour que vous mieux compreniez, sur une autre vidéo qui va être aussi sur TikTok. Bah, si je n'ai pas la flemme de la tourner, bien sûr, pour être honnête. Et je ferai une compilation. Vous comprenez un peu mieux la raison je me suis coupé les cheveux. Et après, sur la seconde chaîne YouTube qui parle de K-pop et de drama et tout, et du manga, pour l'instant, je ne peux pas en faire car je voulais le mini album, le 7e mini album de Yana, mais ma mère, même si j'ai fait comprendre que je le voulais, je dis maman, je te donne mes 30 euros et tu me l'achètes. Mais elle me l'a pas dit le mot, ok, alors je l'ai pas redemandé. Mais voilà, je peux pas faire de vidéo pour l'instant. Mais après, pour la troisième chaîne YouTube, The Music Nostalgie, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Je m'en rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. La dernière vidéo, je crois que j'ai fait dans cette chaîne là, c'était l'intro. J'avais fait l'intro magnifique que j'adore. Et je le ferai peut-être un jour. Mais en mode diaporama, bref. Je verrai. Voilà. Et l'année prochaine, je vais faire un BTS. Alors, je sais pas si je serai vraiment présente sur YouTube. Ou carrément moins qu'avant. Bah, même peut-être moins qu'aujourd'hui. Pour être honnête. Je ne sais pas quand je vais revenir normalement comme avant sur YouTube. Parce que j'ai plein d'idées. J'aime filmer quelques trucs dans mes mémoires. Mais c'est dans mes archives Google Photos. Et j'avais oublié de faire ça dans les montages. J'ai mon micro. Je le mets sur mon clavier, ça, on m'entend peut-être mieux. Et j'espère... par contre, je vous dis quelque... j'avais fait une vidéo il y a longtemps, sur ma PS3, sur les Sims 3. Bah, comme ma soeur a décidé enfin de la vendre. Et j'ai pu retrouver ma Nintendo 64 dans ma chambre. Je suis trop contente. Je l'ai depuis l'âge de 6 ans. J'avais eu pour mes 6 ans avec ma petite télé carrée. Bon, après, j'ai plus d'éteint DVD, bah ça. C'est rien. Ouais. Elle est. Ah! Putain, je sais plus. Ah! Ah, attends. Ah, putain! C'est chiant de. Attends. Ah! Putain! Elle est. Elle est là. Alors, j'ai très hâte. Oui, je sais. Là. J'arrive pas, c'est un peu... Là, c'est du bazar, il y a des magazines, il y a des peluches, ouais. C'est la cabane, voilà. Et j'espère qu'un jour, je pourrai faire des vidéos, comme avant, quand j'avais entre 14 ans et demi et 17 ans, même 18, à peu près. Et j'ai plein de vidéos, j'ai même des playlists que j'ai pas fait. La suite, par exemple, la suite qui est une playlist qui est pas terminée du tout. C'est la playlist radio.
Il y a une deuxième partie que j'ai jamais fait. Je crois, je sais plus où il est, le cahier, j'avais écrit les autres musiques. Et après, je reviens. Bref, voilà, c'est le téléphone fixe qui a sonné. Bref, et j'espère un jour je le refaire à des vidéos comme je disais au début de la vidéo. Et voilà, la dernière fois vidéo que j'ai fait sur mon ordinateur, c'était encore YouTube classique. Et j'ai mis un Google Studio Beta, je crois que ça s'appelle. Sur téléphone, mais sur l'ordi, voilà, c'est galère un peu, je maîtrise pas, ça fait hyper longtemps. Alors, je sais pas si ça c'est mieux, mais moi je préfère vraiment le classique, c'était vachement plus expliqué. Là, ça a l'air simple, mais c'est un peu relou pour être vachement. Et j'ai plein de vidéos que j'ai écrites quand j'étais en seconde et en première macro gestion d'administration. L'an dernier, il y a deux, et. Ouais, l'an dernier, et. Voilà, en seconde macro. Bon. Comme maintenant je suis en terminale, j'ai écrit ça au CDI sur une feuille et je ferai ce style vidéo dans je sais pas combien de temps, mais peut-être avec une meilleure qualité. Bon, j'espère. Et mais je fais quand même sur TikTok si vous voulez de mes nouvelles. Je fais sur TikTok. Par contre, sur Twitter, je suis plus du tout un type depuis l'âge de 16 ans. Je suis plus même 15 ans. Je crois que j'ai resté un moment sur TikTok. Non, sur Twitter, et je suis vraiment. Et en plus, avant j'avais connecté YouTube et Twitter, et depuis 2016 c'est plus relié, je sais pas pourquoi c'est plus relié. Ça veut plus mettre les musiques que j'ai mis dans des playlists, ou les musiques que j'ai likées, ou les vidéos que j'ai sorties. Ça se met plus du tout depuis janvier 2019. J'en ai marre. Alors j'espère que je vais régler ce souci, et déjà si je me rappelle du mot de passe au moins c'est chose. Mais je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et peut-être à bientôt.